Voilà, donc aujourd'hui on va travailler avec les gels paint pour vous montrer un petit peu comment faire. Donc on va travailler d'abord la première étape, on va essayer un dégradé en gel paint. Donc on va travailler deux couleurs et les dégradés. Les gels paint peuvent toujours bien entendu s'utiliser également en peinture intégrale. Je vais appliquer ma première couleur. Vous voyez qu'elle est très pigmentée. Ce sont des gels qui sont fins, qui s'appliquent très finement, avec beaucoup de pigmentation malgré la couche fine, ce qui permet également d'en faire des one stroke, des peintures, des dessins. On peut faire beaucoup de choses avec. On va appliquer la deuxième couleur. Pour faire un dégradé, je rapproche toujours mes deux couleurs, mais je ne les superpositionne pas au moment de l'application de la peinture. Enfin, dans ce cas-ci, du gel paint. Ensuite, on va dégrader les deux couleurs avec la pointe du pinceau. Je viens travailler mes deux couleurs de manière rapide pour venir les dégrader. Et on va catalyser 2 minutes sous la lampe UV. Voilà, quand il sort, il est tout à fait sec et non gras. On va ensuite appliquer un top coat mat par-dessus pour avoir un one stroke qui adhère mieux. Je vais bien mélanger mon top coat mat, c'est important, de manière à ce que le blanchâtre se remélange bien. Autrement, ça laisse des traînées. Voilà, on va laisser sécher. Voilà, le résultat est bien mat, comme on peut le voir. Comme d'habitude, un petit CD pour dégrader le tout. Un gel paint blanc. Le gel paint couleur Marilyn, un joli rose un peu flash.
picotons, un peu de cleaner pour nettoyer au niveau du pinceau. Alors, comme d'habitude pour le one stroke, on va tremper la moitié du pinceau dans le gel blanc, la moitié du pinceau dans le gel rose, ça ne change pas, et on va venir dégrader les deux. La différence entre les deux, c'est que le gel paint ne catalysera pas tant qu'il n'est pas passé sous la lampe, tandis que la peinture acrylique, comme on travaille d'habitude, elle sèche à l'air libre, donc on a un temps relativement court pour travailler nos one stroke, tandis qu'ici, on peut continuer à l'améliorer le temps qu'on veut. Vous voyez que les couleurs se dégradent bien. Alors on peut, si on ne veut pas endommager son pot, mettre un petit peu de gel sur le côté et travailler avec le gel et pas tremper dans le pot directement comme je le fais ici. Vous voyez que les dégradés se font. Et on va travailler au niveau du one stroke pour créer nos pétales. Je vais travailler sur un modèle à 3 pétales. Je vais passer ici un peu plus ou moins sur la ligne du dégradé. Je vais positionner mon pinceau comme pour un one stroke normal, ça ne change pas. Je vais travailler mes pétales en laissant bien mon pinceau glisser. Mon dessin. Là, je trouve qu'il manque un peu de blanc. C'est pas grave, je vais venir le retravailler. Jusqu'à ce que je sois parfaitement satisfaite. On voit la fleur qui commence à se former tout doucement. Un petit bouton de fleur tout finement, je vais le faire ici en bas. On va en faire un petit en haut. On va catalyser sous la lampe. Voilà, mon one stroke a catalysé. On va lui rajouter un petit peu de feuille. Pour ça, je vais travailler avec.
avec le One Stroke Fresco, la peinture Fresco Paint, le gel paint et du blanc. Je vais à nouveau dégrader mes couleurs. On va créer deux petites feuilles. Donc finalement, je vais le peindre. On va catalyser. On va faire la finition à la peinture paint. Avec un pinceau de Nailar assez fin. Voilà. Donc je vais tracer les fines tiges qui partent. Vers mes boutons de rose. Et accentue un tout petit peu ici, dessin en extérieur.
ensuite mettre à catalyser et puis on fera les finitions à la peinture miniature. Donc là, je vais faire les finitions à la peinture miniature. On va finir avec des petits points à la peinture acrylique jaune. Voilà, donc la peinture acrylique jaune pâle. Pour terminer le dessin, je vais terminer avec le nouveau gel de finition onglerie.be Top Finish. C'est un gel avec résidus gras qui est aussi brillant qu'un sealer gel, mais qui est beaucoup plus flexible et qu'on peut également utiliser sur les foils.
ma peinture n'était pas sèche. Et on va catalyser sous la lampe 2 minutes. Voilà, le résultat fini dégraissé. C'est plat avec le gel de finition. One stroke au gel paint. Le gel paint, c'est aussi absolument génial pour venir surligner une French par un effet doré ou argenté au choix, très fin. Je vais prendre mon pinceau. Ma peinture paint. Vous voyez que c'est hyper ultra pigmenté. Et on peut facilement venir dessiner un fin liseré. Le long d'une fraîche. C'est ultra pigmenté. C'est facile de dessiner avec. C'est pas du tout épais. On catalysera bien entendu 2 minutes sous la lampe. Donc voilà, j'ai fait la French au gel paint et les surlignages au gel paint pour vous montrer l'effet. C'est ultra pigmenté, très très fin et directement on peut les laisser comme ça.